Dans la figure, le cercle de centre C et de rayon 1 est tangent à la droite AB et coupe le segment AC en D. De plus, la distance entre A et B, c'est le double de la distance entre B et C. Alors, la distance entre A et D est égale à une de ces cinq possibilités. Par l'énoncé, nous savons que le rayon du cercle, c'est 1 et que AB, la distance entre A et B, c'est le double de 1. Par conséquent, cette distance-là, c'est 1 et cette distance-là, c'est 2. Si nous appelons la distance AD, distance que nous cherchons, x, alors nous obtenons par le théorème de Pythagore dans le triangle ABC que x plus 1 au carré est égal à 2 au carré plus 1 au carré, donc comme ceci. Pour calculer x plus 1 au carré, n'oublions pas le double produit, et ainsi nous obtenons x au carré plus 2x plus 1 est égal à 5. Ce 5, nous le mettons de l'autre côté du signe d'égalité, et ainsi nous obtenons cette équation du deuxième degré, dont le discriminant est égal à 20. Et par conséquent, les deux solutions sont moins 1 plus ou moins racine carrée de 5. Mais comme x est la distance entre A et D, ce nombre x doit être strictement positif. Et par conséquent, la bonne réponse est racine de 5 moins 1. La bonne réponse est donc le A. Voilà. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.